Voici comment vous inscrire aux bourses d'études Desjardins 2017 en ligne. Donc, tout d'abord, en descendant la page sous la fiche, vous verrez vous inscrire en trois étapes. Donc, les étapes sont assez simples. Il faut ouvrir le formulaire, ensuite le compléter et l'enregistrer. Cependant, pour ce faire, vous aurez besoin de Google Chrome. Le navigateur Google Chrome est facilement repérable via cette petite icône qu'on voit ici. Si vous n'avez pas cette icône, c'est que vous n'avez pas Google Chrome. Pour l'obtenir, vous pouvez utiliser le tutoriel ici afin de voir comment l'installer et l'utiliser. Donc, une fois que vous avez ouvert Google Chrome et que vous naviguez sur le site web avec Google Chrome, vous pouvez ouvrir le formulaire comme ceci en cliquant dessus. Lorsque le formulaire s'ouvre, nous avons toutes les informations concernant les 50 bourses dans les quatre catégories. Si l'on descend dans la page, nous avons le formulaire à proprement dit. Donc, il suffit de compléter chacun des champs. Par exemple, ici, je me nommerai John Doe. Je mettrai mon adresse, ma ville, mon code postal, ainsi de suite. Vous devez choisir la catégorie de bourse que vous voulez obtenir. Ensuite, complétez les informations ici. Maintenant, pour enregistrer le formulaire complété, il suffit de faire comme si vous vouliez avoir une impression du formulaire. On clique sur Imprimer. Ici, dans Destination, on s'assure d'avoir enregistré au format PDF. Par la suite, on fait Enregistrer. Je vais vous demander de modifier la terminaison du fichier par votre nom. Par exemple, John Doe, comme ceci. Ensuite, faire Enregistrer. Comme mentionné dans la suite de l'article, une fois que le fichier est enregistré, il faut l'envoyer par courriel à Kathleen Bédard, en commercial desjardins.com. Donc l'adresse est ici. Je vous souhaite bonne chance avec les bourses Desjardins.